Je dirais que nous sommes dans deux axes. L'axe, je dirais, environnemental, et je fais référence ici à l'environnement urbain tel que décidé par la Commission européenne sous le commissaire Ripademiana, document central mais un peu oublié, qui dit en fait que la politique de l'environnement, c'est aussi la politique de la ville. Ce qui était à l'époque une idée neuve qui va donner, par exemple, la ville sans voiture, comme effet de les journées de ville sans voiture. Voilà un effet de ça. De l'autre côté, la dimension sociale, donc environnement d'un côté, urbain d'un côté, de l'autre côté, la préoccupation sociale. C'est vrai que ce jardin n'est pas ouvert. Ce n'était pas l'époque des jardins partagés. On n'y pensait pas, tout simplement. Moi, j'avais bien connu dans ma jeunesse des jardins ouvriers, ce qu'on appelle les quater, mais ce n'était pas à l'ordre du jour du tout dans la ville à ce moment-là. Le problème de l'ouverture est quand même un problème de la gestion des choses. On n'a pas pensé dans ce sens-là, mais ce qui est bien et qui est très bien, c'est que le voisinage, qui est un voisinage. Ce qui tourne autour du cœur de l'îlot est occupé par une population de type social et de type immigré qui est très heureuse de participer visuellement à un travail très achevé, très entretenu. Et la chose frappante, c'est que jamais personne du voisinage n'a demandé d'aller dans le jardin. Parce que de loin, ils le voient, ils en jouissent, je dirais, de l'extérieur, mais ils n'ont pas demandé est-ce qu'on peut aller avec les enfants dans le jardin, etc. Jamais ça ne s'est posé. Alors que quand des passants sont à la grille, ce qui fut dessiné par l'architecte de Mantes, et vous voulez voir le jardin, on le rouvre, on le monte, on explique un petit peu. En nous étant inscrits à ce prix de l'eau, ce que nous attendons, c'est pas tant d'avoir des récompenses pécuniaires, mais c'est d'avoir la protection pour l'avenir de ce que nous avons fait, étant donné qu'il y a toujours un risque de demande, de voir émerger des demandes d'utiliser ce terrain central pour autre chose, entre autres un parking. Et c'est un bruit que j'entends, nous entendons quand même de temps en temps, et donc notre idée est probablement d'introduire un classement du jardin, mais avoir un petit coup de main du côté de l'association des demeures serait quand même intéressant.